vous allez tous très bien. Moi, ça va super parce que là, bah, c'est les grandes vacances. Pas la peine que je me présente, vous me connaissez pour les nouveaux. Moi, c'est Zinelle et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo wishlist. Mais c'est pas Noël, c'est bientôt mon anniversaire. Une wishlist. Bon, on va aller dire confortablement et on verra. C'est bientôt mon anniversaire, le 19 août, donc j'ai fait ma wish list. Donc, asseyez-vous confortablement, prenez boisson, gâteau, pour commencer. Donc, maman, ma wish list. Donc, attends, je dois tout dérouler, hein, bien sûr. Attends. C'est bien. Je crois que c'est bien. Alors. C'est bon, on va pouvoir commencer. Alors, non, mais je rigole. C'est pas ça. C'est un peu grand. Et ma vraie wishlist est là-dedans. Ah, tu m'as fait peur, ma chérie. Là, franchement, j'ai eu... Ouf, je me suis dit, attends. J'interviens pas. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Ouh, tu m'as fait très peur, mon cœur. Alors, on t'écoute. Ma wishlist. Donc attends, je vais retrouver la page. Hein. Donc bien sûr, on va à chaque fois les photos, on va vous les mettre dans le petit en haut à droite. Voilà. Donc pour commencer, le livre BFF, donc Best Friend Forever, juste ici. Donc par contre, dans ma wishlist, il y a beaucoup beaucoup de livres parce que ceux qui nous suivent et ceux qui me connaissent, ils savent pas que j'adore lire. Donc voilà, juste un peu une petite parenthèse. Donc ça s'appelle Cluds Pop Collage. En fait, c'est un truc un peu manuel et tout pour faire. Donc juste ici. Le livre 2 pour 1 qui avait l'air bien. La chambre d'enfant Playmobil. Encore juste ici. En 5, anime ta soirée blague et défi. Donc ça, c'est un truc, en fait, une boîte de blagues et défi pour ta soirée. En fait, il y a tout dans le nom. Donc en numéro 6, un casque rose. Donc bien sûr, c'est pas un casque pour moto, hein. On va pas aller jusque là, j'ai pas encore de moto. C'est un casque rose pour écouter de la musique, des vidéos, voilà, des trucs comme ça. Donc en 7. En 8, où sont encore cachés les médicaments. Ça, c'est un peu pour les petites. Hein. Mais moi, j'avais trop envie d'avoir un truc comme ça. Donc, c'est un cahier, en fait, où il y a de la foule et tout, comme où est caché Charlie ou un truc comme ça. Et tu vas trouver les médicaments. Voilà. Donc, en 9, Lou, l'intégrale saison 1. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la BD Lou. Et là, bah, il y a toute la saison dans une grosse BD comme ça. Voilà, du coup, ça, je l'aime trop. Donc, Smoby Chef Biscuit Factory plus recette. Donc ça, c'est un truc Smoby Chef pour faire des gâteaux et tout. Ça, c'est le 10 du coup. En 11, donc ça, c'est Panini Stickers Animaux Blister 15 pochettes plus 2 offertes. Donc ça, c'est les stickers animaux des trucs Panini. Enfin, ça, c'est les images. Voilà, et bah, du coup, pour compléter ma collection, j'en ai déjà beaucoup. J'ai un gros cahier comme ça, avec plein d'images, donc pour compléter ma collection. Donc, Mini Mickey, les petites robes d'Emma. Et bon, ça on dirait un peu un truc pour des bébés, mais je sais pas si vous connaissez les Mini Mickey. J'en avais eu pour mon anniversaire de l'an dernier. Et ça, c'est un truc en fait où avec des stickers, donc genre des robes et tout, en fait, tu dois habiller, voilà.
Et j'ai pareil, Mimi Mickey, les petites robes du monde. Bon, en fait, j'ai l'impression d'être un peu un bébé, parce que ce que je dis et tout, genre Smoby Chef, un casque rose et tout. Mais bon. Donc, des Party Pop Tunis Mega Pack. Donc, ça, c'est un Mega Pack, en fait. Tout simplement, des Party Pop Tunis. Donc, les Party Pop Tunis, en fait, c'est des petites figurines, des petites filles trop belles et tout. Et voilà, j'en ai peut-être une dizaine, voilà. Et du coup, j'ai aussi envie de continuer cette collection. J'aimerais le jeu DS, mon ours et moi. Donc en fait, mon ami l'a eu à son anniversaire de l'an dernier et il m'a dit qu'il était trop bien et tout. Donc c'est un jeu DS. Et du coup, bah, j'ai regardé une vidéo, il avait l'air super bien. S'il y en a quelques-uns ou quelques-unes parmi vous qui l'ont, bah, dites-moi dans les commentaires s'il est bien. Voilà. Donc, une BD sacrée sorcière. Donc en fait, cette BD, elle a l'air trop bien. C'est encore la même amie qui me l'a conseillée parce qu'en fait, elle fait partie du comité du journal de Mickey et tout. Et du coup, ils lui ont envoyé des BD. Et du coup, elle me les a envoyées en photo. Elle m'a un peu expliqué et tout. Et du coup, ça avait l'air trop bien. Donc BD Sacrée Sorcière. BD Les Sales Gremlins, donc pareil, c'est encore elle. BD Le Journal d'Aurélie Laflamme, tome 5, donc ça c'est elle qui m'a fait connaître cette BD. Donc moi j'ai déjà le tome 4, mais en fait je demande pas le 1, le 2 et le 3 parce qu'en fait elle me les a prêtés pour les lire et bon, peut-être en collection pour les avoir, mais pour l'instant j'aimerais d'abord ceux que j'ai pas encore, pour pouvoir les lire. Donc Emma Cakeup, tome 1, donc en fait je connais pas, j'ai vu ça dans une vidéo d'anniversaire qui présentait leur cadeau. Et bah en fait j'ai regardé sur Amazon et il avait l'air trop trop bien, donc du coup bah je le demande. Donc, et je veux le tome 1. Donc Camel Toys, Fabrique de Skulls, donc ça je le voulais déjà pour Noël mais je l'ai pas eu. Je sais pas si je l'avais mis dans ma wishlist, mais en tout cas je le voulais. Et je l'ai pas eu, donc en gros c'est une fabrique à scotch pour customiser tes affaires. Donc il a l'air vraiment trop trop bien. Ensuite, donc si vous avez déjà vu nos anciennes vidéos, vous connaissez sûrement les mini bouses, que j'en ai déjà eu pas mal. Et du coup, bah, j'ai envie de continuer la collection. Donc, importe la saison, que ce soit la saison 1, 2, voilà. Et je veux le truc x5. Donc, en gros, j'en veux 5. Voilà, donc c'est des petites figurines. Je sais pas si vous connaissez les tils, les peluches. Et ça, c'est pareil, juste que c'est des figurines à collectionner. Voilà. Donc, je veux une Rainbow Come. Un sequin surprise. Donc, en fait, ça. Si vous avez regardé l'ancienne vidéo de mon anniversaire, j'en ai eu une. Et maman, quand on l'a ouvert, elle a voulu avoir une peluche, donc elle a voulu avoir la licorne. J'ai ouvert, quelle peluche on a eu? Celle qu'elle voulait, bien entendu. Donc voilà. Donc si vous avez vu notre ancienne vidéo d'anniversaire, mon ancienne vidéo d'anniversaire de l'année dernière, vous savez que j'en ai eu une. Voilà. Ensuite, je veux Lego Friends, la cabane dans les arbres. Donc en gros, c'est une cabane Lego. Voilà. Ensuite, je veux une LOL Surprise Sparkle. Donc je pense que tout le monde connaît les LOL Surprise. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est des figurines. Bon, enfin, je ne sais pas vraiment trop comment. Donc une LOL Surprise Sparkle. J'aimerais un livre 4 sœurs. Donc. 4 sœurs et le secret de Paris et 4 sœurs et le manoir hanté. Donc ça, si vous me suivez encore, vous savez qu'à Noël j'en ai eu et à mon anniversaire de l'an passé que j'en ai eu et que du coup je continue à faire la collection. Et voilà, donc du coup je veux ces deux tomes. Donc je veux un défi nature créature légendaire. Et un autre défi nature espace. Donc, si vous avez vu la vidéo de mon anniversaire passé, vous savez que j'en ai eu 3. Donc, château, rigolo et les animaux rigolos et je sais plus. Ou j'en ai eu que 2. Bon, enfin, j'en ai eu en tout cas. Et du coup, bah voilà, j'avais envie d'avoir encore ces deux-là. Et bien sûr, les défis nature, c'est un jeu de cartes. Voilà. Et c'est. Enfin, on peut apprendre plein de choses. Donc, alors là, j'ai Mortel Adèle. Alors, donc, j'aimerais Mortel Adèle. Donc, ça, bien sûr, c'est un livre, hein, une sorte de BD livre. Donc, je voudrais Mortel Adèle, tome 14. Prout atomique. C'est drôle, en fait, de dire ça. De quoi? Prout atomique. D'accord.
donc le tome 14. Mortal Adèle, tome 9, la rentrée des claques. Voilà. Mortal Adèle, tome 13, Big Bisou Baveux. Donc, j'aimerais Ajax. Chat va bien, tome 1. Donc ça, en fait, c'est le chat d'Adèle. Et ça, c'est du coup sa BD à lui. Ajax, tome 2, chat s'arrange pas. Donc en fait, c'est une BD livre. Enfin, c'est exactement pareil que Adèle, que les Adèles. Donc, Mortel Adèle, tome 11, ça sent la croquette. Mortel Adèle, tome 17, karmastrophique. Ensuite, je veux la Nintendo Switch. Oh. Mais yeah. C'est pas avant qu'on va tout de suite vous mettre là. Ah, la petite chip, regardez-moi ça. J'ai pas mis, mais si bien sûr tu me prends la Nintendo Switch, je veux le jeu Just Dance 2020. Bon, bien entendu. Oh. Oui. Donc voilà. Et un dernier, donc je veux. D'accord. De Splash. Splash Toys, j'ai écrit Splash Toys. Splash Toys, je sais pas ce que c'est. Bon, Toys à la fin. Voilà. Donc, des bananas, sac surprise. Enfin, donc, en gros, il y a 9 trucs. Donc, il y a 5 bananes et il y a 4 genres de fruits bizarres. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça y est, ta liste, elle est finie, chérie ? Oui. Mais attends. Quand même. Oui. C'est une très belle liste, mais explique-moi juste une chose. Pourquoi il n'y a pas pratiquement que des livres. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas tout ça. Pourquoi, chérie? Parce que des vêtements, j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai déjà suffisamment de vêtements. Bon, après, il y en a qui vont se dire, oui, mais voilà, tu peux toujours en prendre plus. C'est pas ça qui va, oui, mais pour moi, pour l'instant, c'est suffisant. Des chaussures, j'ai pas besoin d'en prendre plus. Des bijoux, j'en ai plein. Enfin, voilà. Et les livres, bah, j'adore lire. Enfin, voilà. Et les livres, il y en a toutes sortes. Il y a des BD, il y a des livres. Enfin, tu pourras jamais t'en lasser. Que, je sais pas, moi. Enfin, voilà. C'est pas comme si les vêtements, tu pouvais t'en lasser. Mais surtout, ça sert à quoi? Enfin, vu que moi, je porte un peu toujours les mêmes affaires. Voilà. Donc, ça sert à quoi? Enfin, de recommander des affaires pour qu'elles restent dans le placard et tout. Enfin, voilà. D'accord, moi, ok, non, c'était juste pour savoir et pour que les copains et les copines comprennent aussi pourquoi. Mais tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Si tu achètes des vêtements pour que ça reste dans le placard, effectivement, qui reste dans le magasin, et je préfère t'acheter des livres. T'as raison, instruis-toi. Ou la Nintendo, hein, tu peux. Ah oui, bah, oh, oui, non, mais ça, bien sûr. Économiser pour la Nintendo. Hein. Non, mais j'ai bien compris, ma chérie. Hein. Je crois qu'on a tous très bien compris que tu voulais la Nintendo Switch. Je la veux. Et le jeu Just Dance. Ok, mon gars, ok. Bon, en tout cas, hey, ça reste une wishlist. Hein. Ouais. Qui dit wishlist dit que tu n'auras pas forcément tout ce qu'il y a. Est-ce sur que le dessus. Est-ce que je pourrais tout voir? Ah bah. J'ai une question. Oui. Bon, ça par contre, t'es obligé de la respecter. Ah. Peux-tu... Non, j'ai mis des choses sur ma wishlist. Oui. Mais peux-tu aussi me prendre des choses que j'ai pas mis sur ma wishlist? Tous les ans, c'est pas la même chose parce que j'ai pas envie, en fait, toujours de savoir, en fait, ce que j'ai à chaque fois. Oui. J'ai aussi envie, en fait, que tu prennes aussi des trucs. Des initiatives. C'est voilà. Ça. D'accord. Oui, parce qu'en fait, Zinelle, en fait, adore les surprises aussi. Et elle est super contente à chaque fois quand il n'y a pas sur, justement, sur sa wishlist, que ce soit Noël, anniversaire ou n'importe quoi. Elle aime bien quand c'est pas dessus. Oui, parce qu'effectivement, là, sur sa wishlist, elle sait à peu près ce qu'elle aura. Mais oui, ma chérie, c'est déjà prévu. Il y a déjà des choses que j'ai commencé déjà à acheter qui ne sont pas sur ta wishlist. Ouais. Regardez ça. Ça fait du bien. Donc, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Ciao. On a entendu.